I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, 29 décembre, à 2 jours du réveillon de la nouvelle année, pour vous parler de mes résolutions 2021, puisque tout le monde va en faire. Cette année, j'ai décidé de faire des résolutions qui sont réalisables. Tout simplement, parce que tous les ans, on part dans des délires de choses qu'on ne fera jamais, qu'on ne tiendra jamais. Cette année, j'ai vraiment envie et besoin de tenir mes résolutions. Donc, j'ai essayé d'en faire une liste non exhaustive, mais avec des choses réalisables, voilà. Donc, en tout premier lieu, la plus compliquée, c'est pour ça que je l'ai mise tout en haut de ma liste, ce sera arrêter de fumer. Oui, je suis fumeuse. Je suis une très très grosse fumeuse malheureusement et ça fait donc j'avais arrêté de fumer l'année dernière pendant 4 bons mois et bah voilà, problème machin truc, j'ai repris. Donc cette année je veux arrêter, cette fois arrêter définitivement. Donc au début remplacer par la cigarette électronique, parce qu'il faut pas se voiler la face, j'ai ni la force ni le courage d'arrêter d'un coup et de tout arrêter sous peine d'assassiner quelqu'un, n'est-ce pas? Donc voilà, on va pas abuser, on va essayer de se tenir à déjà arrêter totalement la cigarette et remplacer par la cigarette électronique. Première résolution est donc pour moi la plus compliquée à réaliser. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, reprendre la méthode Montignac, donc à partir du 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'avec les fêtes, c'est trop compliqué de tenir, de... Voilà, les repas des fêtes sont pas faits pour faire un équilibrage alimentaire et moi faire le rééquilibrage 3 jours, faire une pause pour Noël, reprendre 3 jours, faire une pause pour Nouvel An, non, c'est pas... voilà, si je le fais, je le fais à fond, comme tout ce que je fais, ou je le fais pas du tout. Donc voilà, donc là, je reprends à partir du 1er janvier, donc je vais reprendre mon menu hebdomadaire que je vous mettrai dans mes... que je vous mettrai dans mes vlogs. Et je referai donc les courses pour la reprise, je pense le 2-3, puisque là j'ai de quoi recommencer tranquillement en début d'année. Donc voilà, ce sera ma deuxième résolution. En troisième résolution, la reprise du sport. C'est quelque chose que je veux faire depuis maintenant quelques semaines, mais j'ai du mal à me motiver et la prise de poids facilite pas les choses. Donc là j'ai passé pas mal de temps à chercher cette semaine, vu que j'ai pas fait de vidéo ni rien, à chercher des tutos sur YouTube de choses qui pourraient me convenir sans me faire mal ou sans me faire mal tout simplement. Et j'ai réussi à trouver une chaîne qui me paraît pas mal pour une reprise en douceur. Et donc, je commencerai ça pareil le premier. C'est une séance de 30 minutes à faire le soir. Donc, je trouve ça bien parce que le matin, c'est un peu plus compliqué de se motiver, je trouve, que le soir, une fois que tout est fait. Voilà, on fait la séance, ça dure 30 minutes. Après, on va à la douche, on est bien. Voilà, ça peut... Et ça peut m'aider... pour le coup, à dormir le soir plus tranquillement. Donc, que du bon. Ensuite, quatrième résolution, régler mes problèmes de thyroïde. Oui, parce qu'en ce moment, j'ai excessivement de symptômes dus à mon hypothyroïdie. Et donc, je vais donc prendre rendez-vous chez le médecin en début d'année et refaire les analyses, reprendre le levothyrox, je pense, et refaire ça sérieusement le temps qu'il faudra pour réussir à stabiliser et à me sentir bien de nouveau. Et vous suivrez tout ça au cours de mes vlogs, comme d'habitude.
Ensuite, développer ma chaîne YouTube. Oui, parce qu'en fait, donc pour l'instant, c'était plus un galop d'essai que quelque chose de vraiment régulier et pour lequel je ne m'étais pas vraiment investi. Du moins, pas comme je peux le faire ou comme je sais le faire en temps normal. J'ai voulu voir si ça me plaisait, si j'étais capable de me filmer, de m'accepter et voilà, voir si ça me plaisait tout simplement. Et comme je vous l'ai dit au bilan du premier mois, c'est voilà, quelque chose qui me plaît vraiment. Partager mon quotidien, partager mes bons moments, mes mauvais moments, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé à me sentir mieux dans ma tête et dans ma peau. Et donc je souhaite continuer et faire évoluer cette chaîne. Donc les changements qui auront lieu en début d'année, c'est que je ferai non plus un vlog quotidien parce que j'ai pas du contenu et des activités pour en faire un tous les jours, mais j'en ferai un hebdomadaire et où je filmerai un peu tous les jours, mais surtout les parties les plus intéressantes de mon quotidien, parce que bon, voilà. Le ménage, tout ça, c'est pas. Au bout d'un moment, c'est lassant, quoi. Donc, j'essaierai de faire ça, un vlog hebdomadaire, et d'y intégrer des hauls, des retours de courses, voilà, tout ce qui sera ma méthode Montignac, mes menus, y intégrer des recettes de cuisine, enfin voilà, essayer de mettre vraiment un contenu plus intéressant pour vous et avec beaucoup plus de montage. Donc je me suis un peu plus formé sur le montage, sur le logiciel que j'ai, de par YouTube et d'autres sites internet. Et je m'y suis entraîné là depuis quelques jours. C'est aussi pour ça que depuis une semaine, j'ai pas trop filmé. Et du coup, voilà, il y aura beaucoup de nouveaux sur cette chaîne YouTube. Et donc un vlog hebdomadaire et j'essaierai de faire 2 à 3 face cam dans la semaine. Avec des sujets soit d'actualité, soit voilà, des tests, enfin voilà, 2 à 3 face cam. Donc ça devrait faire à peu près 4 vidéos par semaine avec mon vlog hebdomadaire compris. Donc voilà, ensuite j'aimerais me former sur le marketing de réseau, essayer de trouver une formation en un nombre d'heures. Limité, enfin limité, tout est relatif puisqu'il faut le temps qu'il faut, mais vraiment pour approfondir ce sujet de YouTube, des réseaux sociaux, de voilà, vraiment pouvoir progresser. Donc j'aimerais me former là-dessus et je commence à chercher sur internet via les différents centres de formation à distance et également les formations gratuites qu'on peut trouver sur internet pour voir. Voilà ce qui peut m'intéresser et à quel niveau ça peut m'aider à me former. Donc voilà. Ensuite, développer mon compte Instagram. Donc ça c'est pareil, ça va avec YouTube et la formation de marketing de réseau. Marketing en réseau, pardon. Donc c'est tout un ensemble. Je pense que je créerai également une nouvelle page Facebook, mais qui sera plus axée sur mon contenu YouTube. Et soigner mes photos Instagram et y mettre un peu plus de publications et un peu plus de stories. Donc voilà. Ensuite, donc ça pour les réseaux sociaux, c'est fait, c'est fini, c'est tout ce que j'avais mis dans mes résolutions. Ensuite, on passe au côté famille, qui m'a un peu fait défaut sur l'année 2020. Donc j'aimerais réussir à trouver une organisation, parce que comme je vous l'ai dit sur une de mes vidéos, en 2020 j'ai passé énormément de temps sur mon poker, ce qui m'a coûté énormément de temps en famille en fait. Et cette année je veux à l'inverse trouver une organisation qui me permettra de passer beaucoup plus de temps en famille, beaucoup plus, de profiter beaucoup plus des enfants, de mon conjoint, de ma maman, de mes frères, de... Voilà, vraiment consacrer plus de temps à ma famille parce que ça me manque et que j'en ai besoin. Voilà, j'avais besoin de passer une année à plus centrer sur moi. Là, j'ai besoin de nouveau de me retrouver en famille vraiment et profiter des moments qu'on a à passer ensemble. Et donc, pour ce faire, j'aimerais aussi réussir à instaurer avec ma famille
un vrai repas dominical, donc le repas du dimanche midi en famille. Voilà, avec ma mère, mes frères, mes neveux, voilà, ma nièce, un peu tout le monde, quoi. Mais que ça devienne vraiment une habitude, que le dimanche midi, on se retrouve ou chez l'un ou chez l'autre, et que on arrive à faire ça tous les dimanches. Donc j'aimerais, ça, je vais en parler avec eux très rapidement. D'ailleurs, maman, tu vas voir cette vidéo, je sais que tu regardes toutes mes vidéos, donc l'appel est passé. Voilà. Ensuite, je voudrais réussir à enfin épargner. Donc pour ça, il faut que je solde toutes les petites dettes à droite et à gauche qu'on a contractées depuis 2-3 ans. Là, maintenant, ça commence à aller mieux. Donc j'aimerais réussir à épargner. Et pour ça, j'ai décidé de créer une tirelire dans laquelle je mettrai pour le moment 2 euros par jour. Et ça, tous les jours. Donc ça me fera un petit capital de 730 euros à la fin de l'année. Et avec ça, j'aimerais qu'on se fasse un petit voilà, un plaisir en famille, quoi. Soit quelques jours de vacances, soit acheter un truc pour la maison. Enfin, voilà, avec ça, donc ça, ce sera pour l'épargne plaisir. Et réussir à remettre de l'argent de côté pour faire un fonds d'urgence et voilà, parer à tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans l'avenir. Donc ça, c'est mon avant-dernière résolution. Et la dernière, partir en vacances. Voilà, ça fait pour la petite histoire, je ne suis pas partie en vacances depuis mes 14 ans. J'en ai 40, ça fait donc 26 ans que je ne suis pas partie en vacances. Donc j'aimerais cette année pouvoir partir. Voilà, donc c'est la dernière résolution. Et celle qui me tient le plus à cœur, partir en vacances en famille, tous ensemble, profiter une semaine cet été, fin l'été prochain, des vacances, de s'amuser, de se détendre, de penser à autre chose et voir un peu autre chose, quoi. Donc voilà, vous savez tout pour mes résolutions. Il y en a 11, je pense qu'elles sont largement réalisables, mis à part peut-être l'arrêt du tabac. Je suis super confiante, hein, vous avez remarqué. Non, mais cette fois, il faut vraiment que j'y arrive, il faut que j'arrive à retrouver mon souffle, à me sentir mieux et économiquement parlant, à 20 euros le paquet de 40 cigarettes, ce que je prends, ça commence à faire un peu cher à la fin de l'année, quoi. Donc voilà, en plus, mon conjoint a déjà arrêté, lui, de son côté, en Nouvelle-Calédonie, donc à moi de le rejoindre maintenant et d'arrêter de mon côté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit peu plus au cœur de mon univers et de ma tête. Voilà, donc sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, malgré les circonstances. Et pour ceux que je verrai pas, donc tous les gens que je connais pas en dehors de ma famille, je vous souhaite par avance tous mes voeux de bonheur. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. En espérant qu'on n'ait pas un nouveau confinement en début d'année. Voilà, je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous et à très vite sur ma chaîne. Bisous!